virus! Elle aurait dû le tuer. William! J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas pourquoi je... J'ai pas pu. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés, notre travail. Et chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Pas une raison pour la laisser. Roquette, hein, putain. La cible est neutralisée. Fin de la quarantaine. J'aurais pas eu lance-roquette, il m'aurait niqué encore. J'espère que chérie va bien. Attends. Non, elle est là. Hey. Tu as réussi. Maman a besoin d'aide. Annette. Chérie va s'en sortir. Ça va faire encore un moment. Oui. Elle est guérie du virus. T'as entendu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été attaquée par ce monstre. Oh, my God.
On peut pas. Ça veut dire quoi? C'est le code d'auto-destruction. C'est le virus qui est là. Tu sais, il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Tu avais raison, Thomas. J'ai de la chance de t'avoir. On verra tout ça plus tard. Il faut te dépêcher. Allez. Chérie. Tu peux marcher plus vite? Je veux pas te presser, mais on doit y aller. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ah oui, oui. Affichons vite le temps d'ici. Quand on sera sorti d'ici. Évidemment, cette foutue porte est fermée.
Attends. Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. Peut-être pas attendre là aussi. Blague. Ah, mais c'est parce qu'il m'en reste qu'un. Ça doit être ça. Qu'est-ce que tu fais? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord? Ok. Promis, je bouge pas. Viens. Sois prudente. T'inquiète. Je vais récupérer le lance-roquette. Là.
ce que je pensais. Hein. Ok, ça fonctionne. Leur. Quoi? Léon? Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite. Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es toujours là? Léon, désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi. Fiche ton camp d'ici. Léon? Léon! Merde! Moi j'avais lance-roquette parce que j'étais quand même bien balèze. Hein. J'ai dû lui en lancer les cartouches. Hein. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Ah. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Vraiment? À ce point? Ah ouais. Mère! Léon! Je suis si contente! Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. C'est qui? Je te présente, chérie. Salut. Vache! C'était quoi? Je sais pas. Reste avec chérie, je vais jeter un œil. Je m'approcherai pas plus, hein. Chaud. Je vais crever, oui. J'espère que t'aimes les balles parce que j'en ai encore un paquet. Thank you.
Ah bah putain, le dernier boss, c'était pas les arts. Moyen, mais putain, je dirais plutôt il était en mode difficile, je vois. Bon, la fin, on la connaît. Alors, déjà. Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Non, on est juste. En fait, on s'est rencontrés la nuit dernière. Ouais. Ça va être un sacré coup de monde. Ouais, je peux pas dire. Regardez, il peut peut-être nous prendre en stop. C'est peut-être pas que raccourci. Voilà, c'était Live Another Day par The Grey. Alors, c'est fini? Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. Hé hey, vous pouvez m'adopter. On pourrait avoir un chien et un perroquet. J'ai toujours voulu avoir des animaux, de ma mère et de ma mère. Et maintenant, en ce mercredi bien calme, une chanson à réveiller les morts.